Yo la fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes et puis bon bado police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas l'invite à écouter Rosemont Jean qui parle by dernière information sous situation politique pays. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans mon bado police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et ça t'a impressionné nous en pile, si tu es capable d'aider nous grandir chaîne ça. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous pas dérouler avec information, yo, en nous. Rosemont Jean qui c'est un nan dirigeant Front National Organisation Résistance pour yon Haïti stable ak démocratique la FONOD fixe position li sous situation pays a li bay détail ak information kek moun ki bloqué pays a fè pays a pas capable avancer depuis en 86 pour rive jodi a. Et bien ces informations ça nous pote pour nous pas perdre temps n'a commencé koulye a. D'abord, nous-mêmes, au niveau FONOD, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, véritable attente, nous, véritable combat, nous, véritable lutte que nous avons menée, c'est une lutte pour la paix, la tranquillité, la sécurité capable de tourner en dehors du pays. C'est ça qui intéresse nous et c'est objectif nous, c'est but nous comme militants kaboumé parce que nous croyons véritable richesse. Bien que nous avons besoin, c'est stabilité, c'est la paix. Mais maintenant, nous avons un désaccord. Nous avons un désaccord. Parce que c'est humain. Nous avons un désaccord avec le président Jovenel Moïse, qui m'exprime publiquement. Désaccord, c'est que le président Jovenel, dans sa sagesse, dans la modestie, dans le bon papa, nous sentit la chercher, la voyager acheter sérum dans tout bois pour réhabiliter des leaders politiques qui désidératent politiquement. Les tous les médecins, les tous les infirmières, tous les ministres, des mondes de population jetés dans l'élection, parce que c'est le monde qui a l'élection, que 0,1%, 2%, 3%. Vous avez compris, nos début mandat comme président, c'est normal pour ouvrir bras ou tout le monde pour tout le monde travailler, pour nous travailler ensemble. Mais je dois arriver dans le cafou, si population, si organisation populaire, organisation sociale, yo fait, mais qui te baille tête, non, soi-disant leader politique, alors que tout le monde constate, action politique qui a mené, c'est des actions terroristes, et puis je dis, on cherche réhabiliter, nous soi-disant, réunion, peut-être, nous avons été, ça a fait un petit bon chambrel, le parti ceci, ça a fait un bon malfaiteur, le parti c'est l'autre bord, ça a fait un bon zobop, et puis, il y a quelqu'un même qui a une élection, qui a un mandat, qui a des explications pour bail, ou des bilan pour faire, ou des rapports pour bail, et pour quitter les gens, prenez en otage nos soi-disant accords. On m'a dit dialogue, première fois, on m'a dit deuxième fois, communauté internationale, Vinchita, pour dialoguer. Mais je dis non, il n'y a pas de dialogue. Mais vous comprenez, ce n'est pas yo qui a aimé, ce n'est pas yo qui a aimé dialoguer, président. Et même le Chita avant, c'est Peugeot, Vin Peugeot. C'est l'argent qui a venu chercher, prend, dans caisse l'État, puis elle fait élection. Mais il n'y a pas de vous. Alors ce que vous avez mandat. Ou était deux ans dans le pas de négociation sous lui. C'est deux ans pour travailler, pour bailler un rapport. Je dis à président Jovenel Moïse, ou bien pour réel chita avec le corps diplomatique, communauté internationale, amis qui disent ces amis Haïti, pour montrer par A plus B toute volonté qu'on manifeste pour te former un gouvernement avec eux. Mais malgré ça, je dis non,
c'est mandat pour craser dans mes pour pas de bilan. Je dis non, faut qu'il faut payer parce que vous osez à l'attaquer oligarchie. Oligarchie. Vous osez Allemagne, Dimitri Vob. Vous osez Allemagne, Reginald Boulos Naona. Vous osez Allemagne, ceci. Vous osez parler de tirs pour peuple. Il faut payer. Kounya là, m'a dit au président, moi-même matin, je voulais payer à connaître. Peuple ici, s'il était avec l'idée, ça. Si l'idée ça est avec le pays de 86 à nos jours, ce n'est pas là le pays à taille. T'as l'école, t'as l'université, t'as l'emploi, t'as l'assaut d'Haïti, t'as l'autre d'Haïti, t'as le ciment d'Haïti, t'as l'asco, t'as le théâtre, t'as l'armée, t'as l'institution. Mais ça aussi, c'est le propre pays après 86, le classé pays. Et puis je dis, ou même qui vient là, qui veut faire un bagage, ou qui te prend un piège, dialogue, dialogue. Président, dialogue l'a fini. Je dis, parlement, c'était un parlement, c'était des députés, des hommes et des femmes, la majorité n'a eu, c'est nous qui allons chercher refuge en deux sénats, c'est nous qui allons chercher refuge en deux chambres de députés pour la justice, pas mettre sous eux. Ce n'est pas des hommes qui te font une mission, c'est à légiférer, à faire loi contre l'exécutif. D'abord, l'exécutif n'a pas le droit de veto sur le Parlement. Mais pourtant, le Parlement a le droit de veto. Si nous avons un bon Parlement, nous avons un bon exécutif. Parce que c'est le Parlement qui fait loi. L'exécutif là, pas prendre loi sous des projets sociaux. Sous question université, sous question politique nationale, sous question institution, sous question l'armée, sous question justice, parlement des prérogatives ça pour le faire et puis pour le exécutif là, publier ça. Elle n'est pas capable de publier. Eh bien, nous entendons à travers émission radio, déclaration, M. Paul Denis. Nous prenons lui-même comme exemple. Dans le cap dit, aussi on était tout d'accord, t'as tout formé gouvernement. Ça, Paul Denis, yeah, il t'a tout formé gouvernement. Paul Denis, t'es ministre, t'es sénateur de la République. Pendant mandat sénateur de la République. Monsieur Paul Denis, il y a un départ que m'apprécie, je respecte. Cependant, en question politique, il faut un bilan. Paul Denis va de bilan. Paul Denis va venir de leçon, je dis à personne. Les classes politiques, ça là, qui passent 5 ans, 10 ans, 12 ans sénateur, qui passent combien de temps ministre, qui passent temps dans le voyage politique de 86 à aujourd'hui, pas de crédibilité, pas de notoriété pour que vous même vous comportez en super matador, ça vient de la leçon là. C'est pas vrai, c'est au classe pays. D'ailleurs, vous avez tout ça, vous jouez dans le pays. Yo démembré pays, yo fin la pays. C'est pays yo te wè. Je t'ai encouragé, t'ai mis mes président Jovenel. Paul Denis, ministre, de président de commission, anticorruption, fait rapport, fameux rapport Paul Denis. Paul Denis, ministre de la justice, il va mettre un mandat d'âme, non? Il va mettre un mandat d'âme contre corruption, non? Paul Denis, soit c'est combien de sénateurs? Il va faire une proposition de loi, non? Voir pour toi, nous lui proposons pas, non? Et puis je dis, il a fait une force. C'est faiblesse, force, c'est pas une force. Faiblesse, force, il fait. Il a fait ceci, il a fait cela, avec unique objectif, créer obstacle pour empêcher le président Jovenel à l'écouter le bralier. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.